Mercredi à la Méno, belle affiche de foot. L'équipe de France féminine affronte l'équipe d'Allemagne féminine. On est toujours dans les 50 ans du traité de l'Elysée, l'amitié franco-allemande. Grande fête à la Méno, c'est en tout cas la promesse des organisateurs. On attend plus de 15 000 personnes. On va gagner, on va faire la fête. Et pourtant, le foot féminin ne se porterait pas si bien que ça. Bonjour, Dominique Salmberger. Bonjour. Ancien entraîneur du FC Vandenheim. Vous avez entraîné l'équipe des filles durant de nombreuses années. Le FC Vandenheim, c'est en gros l'une des équipes françaises dans l'élite, hein, division 1 féminine. Il y a Lyon qui est leader et il y a une équipe alsacienne de foot féminin dans cette élite-là. Et vous dites ce soir, Dominique, que cette rencontre, évidemment, c'est très bien, France, Allemagne, on va beaucoup s'amuser, mais que le foot féminin aujourd'hui souffre. C'est ça ? Souffre de quoi ? Disons, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière cette effectivement magnifique affiche, parce que le football féminin, j'allais dire, est en pleine structuration, ou en tout cas en plein développement, et que le football féminin doit surtout éviter de tomber dans les pièges qu'on a connus tous dans le football des garçons, et que le football féminin souffre encore aujourd'hui, puisque en France... Argent, marketing, c'est ça ce entre autres, mais aussi au niveau du nombre de licenciés, puisqu'en France, on est à un peu plus de 50 000 licenciés dans le foot féminin. Si on compare aux États-Unis... 4 000 en Alsace, hein, je crois, c'est ça. Un tout petit peu plus de 4 000 en Alsace, et si on compare avec les États-Unis, on est à 2,5 millions de licenciés dans le foot féminin. Si on compare avec l'Allemagne, on est à un peu plus d'un million. Donc ça veut dire que le foot féminin, en France, a encore du mal à percer. Donc, en gros, vous êtes là pour nous dire que c'est une super affiche, mais que le foot féminin, ça marche pas. Non, je pense qu'il faut, juste être un petit peu avoir une position claire. Ces affiches-là sont extraordinaires et c'est une vitrine extraordinaire pour le football féminin. De là à dire que tout est parfait dans le foot féminin, je pense que c'est allé un tout petit peu trop vite. Il y a encore un chantier énorme de développement sur le foot féminin, de structuration du foot féminin. Vous avez cité le club de Vandenheim. Vandenheim est un club qui est en réelle difficulté aujourd'hui, mais comme de nombreux clubs de D1 qui composent ce magnifique championnat de 12 équipes. Où actuellement on pourrait dire que 3-4 équipes réussissent à, j'allais dire, s'en sortir, mais tous les autres clubs sont en difficulté. En gros, la caricature, c'est voilà, vous avez quitté il y a une quinzaine de jours le club de Vandenheim. Vandenheim aujourd'hui est relégable, et ce qui se passe dans cette division 1 féminine, c'est que vous avez trois grosses écuries avec le statut pro, c'est-à-dire que les joueuses de Lyon sont payées alors que les joueuses de Vandenheim ne le sont pas. Absolument. Et c'est ce que vous dénoncez, c'est ce qui fait que le foot féminin patine. Voilà, c'est exactement ça aujourd'hui le problème du foot féminin, c'est qu'il y a des décalages énormes entre des clubs comme Lyon. Lyon a gagné 10 fois ce championnat de D1. Et d'ailleurs, l'équipe de France féminine, c'est une grande partie de Lyon, de Lyon, Montpellier, du PSG. Parlons du PSG, 30 secondes, les Qataris qui arrivent, qui injectent énormément d'argent dans le club, y compris dans le foot féminin. Y compris dans la section féminine qui se développe. A contrario, on a le FC Vandenheim qui patine, qui s'enlise parce que faute de moyens financiers, faute de moyens structurels et surtout faute d'appui politique qui permettrait à ce club d'exister de manière réelle dans le championnat de D1. Et là, vous êtes en train de vous dire qui est cet homme seul sur le plateau qui balance de telles accusations. Cet homme est seul parce que nous avons appelé l'ALAFA pour instaurer, tenter de dialoguer et de créer un débat. L'ALAFA a refusé de débattre aujourd'hui avec vous. Vous êtes en procès avec eux, on va pas s'en cacher aussi, sur une histoire de licence que vous avez même amenée au CNOSF, etc. Bref, il y a une bisbille. Là, l'AFA a refusé de discuter du foot féminin avec vous. Pour elle, au téléphone, elle déclare que effectivement, il y a des choses qui sont faites, ça se développe. Vos propos sont des propos d'un homme aigri, déçu. Voilà, c'est la réponse de l'ALAFA qui, pour elle, dit que le foot féminin se développe en nombre de licenciés, en communication, etc. Écoutez, moi j'ai une expérience dans le foot féminin. Je pense que ce que j'en ai retiré, c'est des choses tout à fait positives quand je suis arrivé dans le foot féminin, que je ne retrouve plus aujourd'hui. Et donc justement, j'allais dire, mon témoignage, c'est celui-là, c'est de dire attention, le foot féminin ne doit pas rentrer dans cette dérive que nous connaissons tous, que nous avons tous connu, puisque moi je viens du football de chez les garçons. Ne reproduisons pas ces erreurs-là. Et le football féminin a aujourd'hui ce grand chantier devant lui, ce grand, j'allais dire, dilemme de ne pas reproduire, de
ne pas commettre les mêmes erreurs que les garçons. Notamment de s'enfermer sur quelque chose qui serait aujourd'hui... voilà, oui, le foot féminin, c'est hyper... Mais c'est quoi ? Faut les payer, les joueuses de Vendenheim ? Et là, on va vous dire, il n'y a pas les sponsors, on ne peut pas, il y a un manque de moyens ? Mais je pense qu'il y a deux options aujourd'hui. Soit on professionnalise, effectivement... On ne peut pas comparer Vendenheim et Lyon, quand même. C'est impossible, et d'ailleurs, il faut aussi dire... Moi, j'ai eu la chance de rencontrer à la fois Patrice Lhaire, à la fois le directeur, le président de la section féminine de Lyon. Il faut savoir quand même que Lyon aujourd'hui a de gros problèmes d'existence aussi, et qu'il y a une cohabitation très difficile entre les garçons et les filles. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas faire croire et démontrer que ce football féminin est une vitrine exceptionnelle. Derrière, il y a de gros problèmes. Même si, et ça peut être le paradoxe, même si aujourd'hui on se rend compte qu'il y a de plus en plus de licenciés filles qui arrivent dans les clubs de foot. C'est-à-dire que là, il y a, à mon avis, une ouverture qui existe, qu'il ne faut pas rater. C'est le travail de l'ALAFA, c'est le travail de la Fédération, de permettre à ces filles d'exister dans les clubs de football. Une fille de Vendenheim, quand elle affronte le PSG, elle touche combien ? Alors, les filles de Vendenheim, qu'elles affrontent le PSG, qu'elles affrontent Montpellier, qu'elles affrontent Lyon, ou le dernier du championnat ici, elles touchent 150 euros de fixe par mois. Sachant que la difficulté d'un club comme Vendenheim, c'est que les filles ne sont pas disponibles dans la journée, puisque soit elles travaillent, évidemment, soit elles font des études. Donc en fait, moi, je récupérais les joueuses en fin de journée, après une journée de travail, après une journée d'études, de problèmes qu'elles ont pu rencontrer, et on mettait en place les séances d'entraînement. Alors que des clubs comme Lyon, bah, les filles ont un statut de pro, ou en tout cas de semi-pro, donc disponibles tout au long de la semaine. Et toujours pour comparer, les filles de Lyon étaient entre 4 000 et 15 000 euros. Donc, qu'est-ce que vous voulez, rivaliser avec des équipes comme ça ? C'est impossible. Vous réclamez demain la création d'un fonds de soutien, d'une vraie politique d'argent, de sponsors régionaux qui pourraient créer une véritable équipe pro-féminine alsacienne ? Non, je pense que là aussi, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas parler, lorsqu'on parle de foot féminin... Parce que là, on est en pleine dérive du foot, c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'argent. Voilà, justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que l'erreur à ne pas commettre aujourd'hui, c'est de dire que le football féminin, pour exister demain, a besoin de moyens financiers. Moi, je pense que ce qu'il a besoin aujourd'hui, c'est d'un vrai soutien politique, que ce soit de la fédération, que ce soit des instances de l'ALAFA, voire des communes. Et tant qu'on est dans ce type de débat-là, ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté politique de développer. Et cette volonté, est-ce que ça veut dire que finalement le foot féminin, bah, c'est bien gentil, mais on s'en fiche un peu ? Moi, j'ai un peu ce sentiment-là aujourd'hui. Alors, quand on parle d'aigreur, etc., moi, c'est peut-être à ce niveau-là qu'elle existerait. C'est-à-dire qu'on a joui, c'est vrai, d'une médiatisation énorme à travers le football féminin, et malheureusement, on n'arrive pas encore à percer. On ne l'a pas capitalisé, ça ? Moi, je pense qu'on ne l'a pas capitalisé, et je pense qu'on n'a pas profité justement de cet effet de médiatisation pour obtenir des moyens. Et pas que des moyens financiers, je répète, des moyens structurel, humain. Merci beaucoup Dominique Steinberger, c'est ça Patrick Cathodique. Donner la parole et permettre à tout le monde d'exprimer son opinion. Et c'était une voix dissonante sur ce foot féminin. L'affiche la semaine prochaine, mercredi à la Méno. France-Allemagne, foot féminin. Non, selon Dominique, le foot féminin ne se porte pas aussi bien que ça et n'est pas assez considéré. Merci beaucoup d'être passé ici. C'est bon. Pour nous le dire.